les achats que j'ai faits chez Sephora. En fait, j'en ai eu pour 108,85 €. C'est quand même pas mal, hein? Bon, on assure, hein? D'accord? Bon. Alors, j'ai acheté cette crème clinique qui m'a coûté quand même pas mal. Hein. Je suis désolée, je suis obligée de mettre des lunettes, je vois rien du tout. Hein. Je peux pas mettre de lentilles, sinon 56,50 €. Voilà. J'ai acheté ce petit truc-là, c'est pour nettoyer le pinceau. Alors, je vais vous montrer. Moi, ça me paraît sympa. Hein. On brosse là comme ça, circulairement. Hein. Voilà. Et on peut le réutiliser de suite. Ça nettoie, désinfecte en même temps. Ça, des deux faces. Hein. Et c'est de la marque Sephora. Et ça coûte 4,95 €. Ça nettoie, désinfecte, hein, et on peut même en fait l'utiliser sur les deux faces et le désinfecter et le laver. Donc, bingo! On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai acheté un anti-sève correcteur. Alors, l'anti-sève correcteur, il est où? Ah! Bon, je le retrouverai. Ah, le blanc, ici. De la même teinte, en fait, 4,95 €, ça va. Là, 16,95 €, mais je trouve que mon teint est un peu clair. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon mari pense que c'est un peu clair aussi. J'ai acheté ce Restyle qui fait volume et enfin volume, longueur et définition. J'avoue, il est pas trop mal. Il est ultra noir et il est à 5, non, 16,50 €. Voilà. Alors, ça m'a fait un total de 108,95 € pour ça. Ils m'ont offert un mascara clinique, une eau démaquillante de Lancôme, des produits là comme ça, enfin c'est tout des eaux de toilette pour hommes. Hein. Au départ j'étais partie pour du L'Oréal, hein. Et puis voyez, et puis fleur de cerisier comme ça, une crème lavante, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais en fait, ce petit truc-là, il me paraît pas mal. Enfin, je jugerai sur place à la longue. Puis ah oui, cette petite trousse. Voilà. Bon, ils sont sympas. Bon, le temps. Maintenant, ça reste à voir. Hein. Faut voir. Oui, alors là, après mes achats, je discute avec la vendeuse qui me raccompagne jusqu'à la porte. Toute gentille, on discute ensemble. Et tout d'un coup, il y avait un gosse, en fait, qu'on n'avait pas vu, hein, de quoi, 5-6 ans. Qui trotte, enfin, qui était à quatre pattes, qui se baladait à quatre pattes dans les allées, enfin dans l'allée centrale. Moi, je l'avais absolument pas vu, la vendeuse non plus. Et tout d'un coup, voulant un vol d'allée, oh, mon mari était là. Il a commencé à prendre un fou rire. Et puis, moi, sur le coup, j'ai eu du mal à me le enfin, j'étais sonnée. Je me suis dit, qu'est-ce qui passe, je me suis dit, j'ai fait mal,
J'arrive, je me relève difficilement quand même, je l'avoue, parce que j'avais vraiment très très mal aux genoux sur ce sol-là. Et mon mari a cessé, il s'est dit, waouh, elle a dû se casser une patte, ça y est, je vais courir aux urgences, je vais passer ma soirée toute la nuit aux urgences encore. Bon. Voilà, bon, le gamin n'a rien. Vraiment, pas traîné à quatre pattes. La vendeuse ne l'avait pas vu. Sa mère non plus. Personne ne l'avait vu. Et moi-même, je ne l'avais pas vu. Bon, bah, c'est pas la faute du gosse, hein. C'est vrai que lorsqu'on marche, on regarde en fait droit devant soi. On ne regarde pas le sol par terre, hein. C'est vrai, hein. Voilà. Bon, mon mari a pris un fou rire. J'en ai pris un par la suite, j'avoue aussi. Bien, en tout cas, moi, je remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à plus. Au revoir.